ta kuo des aya ke gole o ke godi ma se ke mi mo nu mi mo apre mi moza mi mo la gonde mi che ase ala wa yu lele o bebe ni be ile on e tu o tu o a se ke mi mo mi mo apre mi moza mi mo la gonde mi che ase a zele se comme un sang wa ta ti sumo te ke bien wa Yawa wuli yo Dara ni lema Mimo pase ka e Tire e pele Mimo wanu Mimo sa Aike ganye Oje wanye Ekiti peuple Ekiti peyi Pansi sonya Mimo sa Aike ganye Ale jibo la mine Ekiti peuple Ekiti peyi Naya ble kwa jo Mimo sa Aike ganye Ndeni kulibali Ekiti peuple Ekiti peyi Nesan suwa o venir au foot, pour plaire à quelqu'un ou obéir à la volonté de quelqu'un. Il est venu au football par vocation, par conviction. Voilà pourquoi il jouait au foot comme on danse ou comme on fait la fête. Vous comprenez alors qu'un trésor comme Laurent Pocou le perd et qui plus est maintenant ne peut que nous faire mal. Ce matin, en cette heure d'intense émotion et d'intense communion, c'est avec ces paroles des Saintes Écritures que je nous souhaite d'éclairer ce mystère de la mort bouleversante de notre frère Laurent Pocou. Que dire de toi? Parler du père ou parler du sportif?
Le grand footballeur que tu as été te vaut aujourd'hui tous les honneurs de la nation et du monde du football. Les témoignages et les hommages que nous avons vécus et entendus nous ont édifiés, émus et touchés. Sache que nous sommes fiers de toi, heureux et honorés de t'avoir comme père. C'est pourquoi je voudrais m'attarder sur le père, le papa, le chef de famille, le nonon que tu étais pour nous. Et si c'était à refaire, nous sommes tous unanimes, je dis bien tous, Fatou, Cynthia, Erwan, Gaël, Wilfried et Patricia, sur le fait que tu es celui qu'il nous fallait comme père. Avec Fatou, tu étais un papa, un ami, un confident, et elle se souvient de tous les moments passés en ta compagnie. Avec Cynthia, tu étais le papa poule, protecteur et très aimant. Avec Erwan, c'était des rapports du père et de son héritier dont on attend beaucoup. Moi, je t'inspirais confiance et une force de caractère dans laquelle tu devrais certainement te retrouver un peu. Quant à Wilfried, tu lui passais beaucoup de choses parce que c'est le petit dernier des enfants. Et enfin, Patricia, avec qui tu entretenais des rapports complices. Ton départ est dur à supporter pour nous, tes enfants, et particulièrement pour notre maman que tu appelais affectueusement Tata. Tes frères et sœurs, c'était particulier. Une fraternité basée sur la sincérité, l'union et la complicité dans lesquelles il ne fallait surtout pas interférer. Tu étais aussi le bébé, le chouchou de notre grand-mère, ta maman. Dans peu de temps, tu effectueras ton dernier voyage sur Terre. Tu iras te reposer auprès de ton père et de nos ancêtres qui sauront prendre soin de toi et te protéger dans ta nouvelle vie. Papa, à ce moment précis, nous réalisons que nous ne t'avons pas suffisamment dit « Je t'aime, papa. Merci, papa. Pardon, papa. » De là où tu es, nous te demandons de continuer de prier et de protéger ta famille. Avec toute notre affection, repose en paix. Tourelle, s'il vous plaît, nous allons maintenant partir pour l'inhumation. Mais avant, nous allons garder tout d'honneur juste pour dire un au revoir et nous allons maintenant partir pour le cimetière. Oui. Voilà. Pendant ce temps, la gendarmerie remet le drapeau national. Amen. Cérémonie symbolique à double titre pour la reconnaissance de l'État et pour la perpétuation de l'œuvre. Les anciens joueurs, je reprends la fanfare juste de les autorités qui suivent, la chefferie, la famille et les anciens joueurs pour accompagner le repos. On se tient de... Et